Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Alain Koskas, je suis président de la Fédération internationale des associations de personnes âgées et j'ai 77 ans. Notre fédération est née en 1980 et depuis 43 ans, nous répétons inlassablement que notre but est de défendre les droits des personnes âgées. Je dirais les droits des aînés où qu'ils se trouvent, dans leur singularité, dans leur culture, dans ce qu'ils sont, dans leur expérience de vie. Aujourd'hui, les temps semblent propices parce que nous voulons effectivement rassembler et ne pas opposer, parce que c'est ainsi que nous allons lutter contre les maltraitances, nous allons lutter contre l'âgisme, cette discrimination qui ronge nos sociétés. Que nous allons lutter contre l'isolement. Nous allons lutter pour obtenir des moyens. Mais au-delà de tout ça, et comment faire? Il faut lutter avant tout pour ce qui est le participatif. La capacité qui doit nous être donnée d'intervenir dans tous les textes de loi, dans tous les décrets, dans tout ce qui nous concerne en amont, et non pas une fois que tout ça a été déclaré. Parce qu'après, nous nous trouvons en situation de demandeur. Et cette convention internationale des droits des personnes âgées, c'est elle qui va nous donner les éléments de participation. Donc, nous demandons à nos gouvernements de soutenir une convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées et de commencer à la rédiger sans délai, c'est-à-dire maintenant.